Y'a tout le monde, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost, sur la map Sovereign, en domination 4v4, donc en clan v clan. Dans cette partie, j'ai été accompagné de OG Mintor, donc dédicace à toi, mec. Donc, c'est un, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un nouveau membre de ma team, donc je les ai rejoints. Ils étaient trois, il leur manquait un joueur, donc j'avais postulé sur deserto.fr. Ils ont vu que les caractéristiques, enfin mes caractéristiques leur plaisaient, donc ils m'ont pris, on a fait quelques tests et voilà, voilà. Donc je remercie encore une fois de m'avoir pris dans leur team. Donc on va tout de suite passer à la présentation du gameplay, même si je vous l'ai déjà un peu présenté. Donc je joue à la Mtarex, frein de bouche, poignée. En atout, j'avais fin prêt, visée solide, silence de mort, concentration, ainsi que marathon. Et en spécialiste, résistance mortelle, as de la gâchette. J'avais pas mis de troisième atout, après j'avais mis passe-passe, pillard, résistance tactique, résistance et le truc pour recharger en même temps qu'on sprint. Voilà, voilà. Sinon aussi, j'avais la mortelle et la grenade tactique que j'ai rajouté à mes classes compétitives, qui je pense est assez judicieux pour jouer en compétition, parce que vous pouvez faire, par exemple, il y a un mec qui prend B, vous lancez la greu, tac, vous faites un frag, ça va plus vite, et voilà, et vous gaspillez pas des balles pour rien. Voilà, voilà. Donc, pardon. Aujourd'hui, je vais faire un petit tuto. Donc, je me prétends pas être le mieux placé pour le faire, hein, je le dis clairement, hein, je le pense même. Hein. C'est comment devenir un peu joueur des Sartos. Donc, je parle pas dans le sens comment devenir un gros joueur des Sartos. Je parle dans le sens comment s'y mettre, en gros, comment commencer en fait. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour commencer les gens, si vous réfléchissez bien, il vous faut une team. Donc pour avoir une team, rien de plus simple, que vous soyez sur PC, Xbox 360 ou PS3, Xbox One, PS4, il n'y a pas de problème. Ah, par contre pour Wii, tout ça, je pense pas qu'il y ait. Enfin bref. Vous allez sur le site deserto.fr qui vous répertorie pas mal de topics pour le recrutement de joueurs. Donc tout simplement dès que vous êtes sur le site, donc c'est deserto.fr, de toute façon je mettrai le lien du site dans la description. Donc dès que vous êtes sur le site, vous allez sur forum, donc c'est il y a des petits onglets normalement en haut de la page du site, donc vous appuyez sur forum. Après il y aura les plateformes, donc vous cliquez sur Xbox si vous êtes sur Xbox, PS3 si vous êtes sur PS3, tout ça. Donc si vous êtes sur Xbox, on va prendre l'exemple de moi, j'ai cliqué sur Xbox. Après il y a des trucs, c'est news, donc news, voilà, c'est les nouveautés sur les championnats Xbox, tout ça. Vous appuyez sur Call of Duty Ghost, donc il y aura un onglet Call of Duty Ghost normalement sur la page. Dès que vous appuyez sur Call of Duty Ghost, il y a l'onglet recrutement, scrim, tout ça. Donc vous allez sur recrutement, et après il y aura recrutement équipe, recrutement FA. Donc FA c'est pour poster un topic de vous tout seul, mais vous allez sur recrutement équipe, et là il y aura un topic de plein de teams. Donc des teams sérieuses, comme des teams qui ne sont pas vraiment sérieuses, hein, je l'ai remarqué moi-même. Donc moi qui voulais trouver une team assez mature, bah là j'en ai trouvé une, je suis assez content. Ils sont tous matures dans la team, donc ça me fait super plaisir. Et donc voilà, faites bien attention. Après, essayez de rechercher les critères qui vous plaisent. Hein, que si vous voulez jouer avec des mecs qui sont pas matures, bah voilà, essayez de chercher. Enfin, je sais pas, faites comme vous voulez. Si vous voulez trouver une team qui veut faire des LAN, bah cherchez. Si vous voulez pas faire de LAN tout de suite, bah cherchez des teams qui veulent pas faire des LAN tout de suite. Enfin, après, vous vous débrouillez. Il y a juste à regarder toutes les pages du topic. Voilà, voilà. Donc dès que vous aurez trouvé une team, n'hésitez pas à faire du clan v clan. Pour vous entraîner, ainsi que des team scrim, donc contre d'autres teams. Cela permettra d'entraîner votre niveau de team, donc votre teamwork, tout d'abord pour bien vous placer sur la map, mais ainsi que la communication, parce que pour moi la communication est la clé numéro 1 du deserto, parce que si on communique pas, on se fait carrément éclater tout simplement. Parce que voilà, si vous mourrez à un endroit, tac, vous devez dire ouais, je suis mort là, je suis mort là. Comme ça, l'autre il va voir, il le tue, ça va plus vite. Et souvent, ça débloque des situations, tout simplement. Et dès que vous vous sentez prêt, dès que vous vous sentez qu'avec votre team, vous avez un niveau suffisant, vous êtes bien entraîné en TS, tout ça, n'hésitez pas à aller en LAN.
C'est le meilleur moyen de se faire connaître et le meilleur moyen de rencontrer deux grosses teams. Donc voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. En tout cas, dites-moi ça dans les commentaires. Comme j'ai dit, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais bon, je voulais quand même vous en parler de mon. Je voulais quand même vous parler, pardon, de mon point de vue. Voilà. Donc c'était Blackboard HD. Laissez un like et un commentaire si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.